Débutés en février 2022, les travaux de construction du pont ont pris fin en avril 2023. Ils sont exécutés par la société Wining Consortium Simandou. La construction de cet ouvrage de franchissement sur la rivière Makoudou constitue l'un des projets impulsés par l'accord cadre Simandou en faveur de la population locale, comme le stipulent les clauses du contrat. C'est au village de Kolota, district de Yindi, sous-préfecture de Mafferenya, dans la commune urbaine de Forécaria, que s'est tenue la cérémonie inaugurale, qui a été officiée par le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de la compagnie Transguinée, Djiba Djakité. Était également présent le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, le conseiller principal du chef de l'État, des membres du CNRD et du gouvernement, ainsi que d'autres du comité stratégique de la compagnie Transguinée. Les autorités locales se félicitent de cette réalisation et de celle en cours au profit des populations à la base. Ce pont relie le district de Yindi, CR de Mafrenya, au district de Tonkoya, CR de Alassoya, dans la préfecture de Forcaria. Cet ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui permettra désormais le trafic des gros engins de Wining Consortium Soumandou Rail en contournant la route communautaire de Sengeling à Mafrenya et contribuera au développement des infrastructures routières dans la préfecture. L'événement qui nous réunit à cet instant est une opportunité socio-économique consacrée à l'inauguration du pont de Yindi qui facilitera le flux de la population et des biens. Permettez-moi de vous réaffirmer notre totale adhésion aux idéaux du CNRD à sa tête, colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, commandant en chef des forces armées, président de la transition, chef de l'État. Situé sur 247 mètres de long, le coût de réalisation du pont nommé DK10 est estimé à 4 millions de dollars. Cette passerelle a deux têtes de pont et relie Tongoya dans la sous-préfecture d'Alassoya au district de Yindi. Ce pont qui traverse la rivière Makoudou, large de 220 mètres et profonde de 6,5 mètres, va spécialement servir à la mobilité des communautés locales et surtout au transport des matériaux pour la construction du projet Simandou. Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui, en cette journée internationale des travailleurs, pour célébrer l'inauguration du pont de la route d'accès au BK11 du chemin de fer du projet Simandou, sous le leadership du gouvernement guinéen et avec une forte volonté et un grand dévouement. WCS vient d'achever la construction de ce pont prêt à être mis en service, démontrant ainsi notre détermination de développer le projet Simandou. Depuis la relance du projet Simandou en mars 2023, et ce, malgré les conditions de financement serrées, WCS a mis tout en œuvre pour poursuivre ses travaux critiques, notamment les ponts de la rivière Makoudou. Les infrastructures au-dessus de la rivière Makoudou est constituée de deux ponts distincts, l'un pour la route d'accès, l'autre pour l'axe ferroviaire. La mise en service de ce pont pose une base solide pour l'achèvement complet de toutes les routes d'accès du chemin de fer. Le projet Simandou est un projet d'importance économique stratégique. Son développement est une priorité nationale. Et il contribuera incontestablement au développement et à la construction d'un corridor économique transguinéen, selon les mots de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Le ministre des Mines et de la Géologie, pour sa part, salue la promptitude avec laquelle avance le méga-projet Simandou. Cependant, il invite les partenaires au respect continu des clauses de l'accord. La finalisation des annexes techniques se poursuivra. Le comité stratégique va continuer à apporter son aide aux partenaires industriels Wining Consortium Simandou et Rio Tinto Simfer pour une convergence de leurs intérêts respectifs. Ce travail va se poursuivre. De même, avec le support des conseils de l'État, le comité stratégique va poursuivre les visites de terrain afin de s'assurer
que la réalisation des infrastructures gigantesques de ce projet est en phase avec le chronogramme convenu avec les partenaires industriels. C'est le lieu pour moi de rassurer les partenaires que l'administration Doumbouya, le gouvernement Goumou et l'administration minière que j'ai l'insigne honneur de diriger continueront sans coup férir à apporter le soutien sans faille en vue de la totale réalisation de ce projet. En ce jour de célébration de la fête du travail, le ministre Moussa Maguessouba se réjouit du nombre de Guinéens qui auront de l'emploi grâce au méga-projet Simandou. Nous restons convaincus que ce projet continuera à créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse de la Guinée et aussi créer de la classe moyenne à travers des PME, les petites et moyennes entreprises, qui sont 100% guinéennes. Ce projet permettra enfin au transfert du savoir, du savoir-faire et de la technologie. C'est en cela que le gouvernement, dans son ensemble, et sous la vision stratégique du président de la République, chef de l'État, est plus que demeuré, confiant que les conditions de vie des populations guinéennes seront améliorées à travers ce projet gigantesque. Ainsi, le président du comité stratégique de la compagnie Transguinée a été invité à couper le ruban inaugural, ce qui marque l'ouverture officielle de cet ouvrage de franchissement. Djiba Diakité a alors mis l'occasion à profit pour rappeler la place de choix qu'occupe le méga projet Simandou sur la liste des priorités du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est dans la continuité un peu de la relance de ce projet qui a été fait le 18 mars dernier sous le leadership de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Grâce à sa détermination, grâce à son leadership de pouvoir mettre les partenaires industriels avec des intérêts divergents ensemble, mais également grâce à sa volonté ferme de réaliser ce projet. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train, en tout cas, d'inaugurer l'un des ouvrages majeurs qui représente un jalon extrêmement important dans le cadre du projet Simandou. Cet ouvrage va permettre de pouvoir acheminer par la voie terrestre, en tout cas, tous les équipements nécessaires dans la réalisation de la tracée, dans la vision du chef de l'État, en tout cas, que nous sommes en train de continuer à accomplir sa vision. Nous sommes en train aussi d'accentuer le suivi sur le terrain, s'en assurer de l'effectivité de cette relance. Cette fois-ci, comme vous pouvez le remarquer, c'est une relance qui est différente des autres relances. Là, on relance sous la bannière de la compagnie transguinéenne, qui est une co-entreprise entre les partenaires industriels Rio Tinto Simfer, WCS Winim Consortium et également l'État qui est partie prenante de ce projet. Donc je pense que nous pouvons continuer en tout cas à être convaincus que Simandou se réalisera. Elle se réalisera comme le chef de l'État lui-même lui a dit dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée. Mais la volonté politique ferme du chef de l'État est très claire. Le contenu local pour nous, il faut qu'on arrive à donner du travail aux Guinéens. Il faut absolument qu'on arrive à donner les opportunités de business aux entrepreneurs guinéens. Et il faut que, grâce à ce projet gigantesque, nous puissions faire de la formation, la clé en tout cas de la réussite du projet pour le transfert de technologies et de compétences. Le pont sur lequel nous sommes arrêtés, dont, qui fait objet de cette cérémonie, est la preuve éloquente de la traduction du rêve en réalité. Et à gauche, les pieux que vous voyez de l'autre côté, c'est l'infrastructure de base sur laquelle le chemin de fer va passer. Ça, c'est une route d'accès qui va désenclaver l'ensemble du corridor. Et ma présence dans le projet est de s'assurer que ce projet sera réalisé en ligne avec les objectifs du chef de l'État, c'est-à-dire que ce projet soit un catalyseur pour le développement de l'ensemble de l'économie nationale. Les départements sectoriels sont également concernés par le projet Simandou. C'est pourquoi l'implication effective de tous est souhaitée pour sa réussite au profit des populations. Alors, il faut situer cette inauguration dans un contexte. Le contexte est lié d'abord à la visite du comité stratégique à Shanghai qui a permis de baliser la relance des activités sur le terrain, ce qui fut réalisé
grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Et quand on parle de relance d'un chantier, on parle forcément de relance de l'économie. Et c'est en cela, dans le cadre du plan de relance de l'économie guinéenne, le projet Simandou est un multiplicateur majeur en tant qu'infrastructure de soutien à la croissance économique. 15 milliards de dollars, c'est presque le PIB de la Guinée. Et c'est en cela, nous sommes mobilisés tous autour de ce projet, autour du président de la République, autour du premier chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement du CNRD pour que le projet Simandou, que vous voyez, qui est une réalité, parce que le pont et les infrastructures qui sont sorties de terre, c'est une réalité pour les Guinéens, et que tous les Guinéens puissent conjuguer leurs efforts pour que ce pays-là puisse connaître un développement harmonieux et radieux. Nous voulons capitaliser justement sur ce gigantesque projet minier qui est pour nous un projet de développement socio-économique en mettant un accent particulier sur le transfert de compétences, surtout sur la formation d'un capital humain compétitif et aussi attrayant qui puisse servir le peuple guinéen. Également mettre un accent aussi sur la recherche minière, sur la recherche géologique afin de cerner ce potentiel minier qu'a notre pays. Donc, mettre un accent sur la formation qualifiante de nos ingénieurs, mais également des ouvriers qualifiés qui puissent servir ce projet d'envergure, mais également les autres, les préparer pour les autres projets à venir dans notre pays. C'est déjà la fierté de voir une entreprise guinéenne, qui est le CTG, réaliser des ouvrages majeurs dans un projet guinéen que nous faisons avec des partenaires étrangers, bien entendu. Donc, le ministre de l'Emploi que je suis, nous veillons à ce que le transfert de compétences se fasse et que dans les emplois disponibles à tous les niveaux, il y ait des Guinéens qui soient recrutés, formés et qui puissent pérenniser ce genre d'expertise au niveau local. On a élaboré une loi portant un contenu local en République de Guinée. Cette loi a été adoptée par l'Assemblée, promulguée par le chef de l'État. Les tests d'application viennent d'être élaborés. La prochaine étape juste, c'est de valider ces tests-là et passer à la vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national. L'inauguration et la mise en service du pont DK10 révèlent l'effectivité de la relance des activités de la compagnie Trans-Guinée et dénote surtout du respect des clauses selon la volonté du chef de l'État qui est de prioriser les intérêts du peuple de Guinée.